Bonjour, je suis Sarah de YoTime. Bienvenue dans cette séance de yoga sur chaise doux. Donc prenez une chaise et installez-vous confortablement. Vous allez passer les mains sous les fesses pour bien tirer la peau des fesses vers l'arrière et mettre les épaules au-dessus des hanches. Donc on n'est pas adossé sur le dossier de la chaise. Les pieds sont sous les genoux, les mains sont posées sur les cuisses. Vous pouvez retirer vos chaussures pour plus de confort et plus de sensations pour cette séance. Et vous allez décoller les orteils et bien étaler la plante de pied sur le sol. Écarter les orteils et relâcher les orteils dans le sol. Voilà, maintenant, vous replacez bien les épaules au-dessus des hanches. Le menton légèrement baissé, le sommet de la tête monte et fermez les yeux. Commencez par bien vous détendre dans cette posture sans relâcher la posture, donc en gardant le dos bien droit. Sentez la respiration qui vient bouger légèrement vos épaules, votre poitrine. Relâchez le ventre est souple et accueille la respiration. Relâchez la peau du visage. Les épaules. Accueillez la respiration. Et si vous êtes préoccupé, laissez-vous la possibilité de laisser de côté ces préoccupations le temps de cette séance, quelques minutes. Le ventre est bien détendu, le visage, les mâchoires. Respirez par le nez. Inspirez longuement par le nez. Et expirez jusqu'au bout vide et les poumons. Et inspirez, ouvrez les yeux. Donc gardez le menton bien au centre, sans bouger le visage. Vous allez regarder tout à fait en haut. Et on va dessiner un grand cercle avec les yeux. Donc vous regardez comme, vous faites, comme si vous faisiez le tour du cadran. Donc à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures et midi. Un deuxième grand cercle vers la droite, très lentement, sans bouger le visage, tout en continuant à bien respirer. Et deux cercles par la gauche. Continuez à respirer, finissez tranquillement le deuxième cercle. Puis frottez les paumes de main. Laissez la chaleur se propager dans les paumes de main. Puis appliquez doucement les paumes de main sur les yeux. Fermez les yeux. Relâchez les yeux dans la pénombre et dans la chaleur de vos paumes de main. Prenez une grande inspiration. Expirez. Vous reposez les mains sur les cuisses. Et on va maintenant faire des cercles avec notre visage sans forcer. Donc inspirez, baissez le menton vers le sternum. Expirez, faites un demi-cercle vers la droite, amenez l'oreille droite vers l'épaule droite, baissez bien les épaules, puis menton sternum, oreille gauche vers l'épaule gauche, baissez bien les épaules, surtout l'épaule droite. À nouveau un demi-cercle, menton sternum, oreille droite, épaule droite, baissez les épaules, le dos droit, à nouveau menton sternum, oreille gauche, épaule gauche. Et si vous sentez que cela n'est pas trop difficile pour les cervicales, vous pouvez monter le menton vers le ciel pour finir le cercle et redescendre. Deuxième fois, menton vers la droite et vers le haut, à gauche et en bas. Et revenez. Inspirez, vous allez ouvrir les bras doucement en ayant conscience de vos mouvements. Et on s'arrête quand les bras sont à l'horizontale, les paumes de main vers le ciel. Ouvrez bien la poitrine et amenez les mains sur les épaules. Donc les bras sont à peu près à l'horizontale. Et on va faire des cercles. Inspirez, faites des cercles vers l'arrière, doucement pour défaire les tensions au niveau de l'articulation de l'épaule. Voilà, respirez bien. Et peut-être que progressivement, vous pouvez augmenter l'amplitude des cercles. Sans forcer. Respirez bien. Et dans l'autre sens. Donc vers l'avant, vous enroulez. Profitez-en pour prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. C'est votre moment, le moment pour améliorer aussi la qualité de la respiration.
Allez, encore un dernier cercle. Okay. Et vous ramenez les épaules, les bras à l'horizontale, vous ramenez les coudes devant et vous allez maintenant intercroiser les poignets. Donc si c'est possible, on monte un petit peu les coudes, sinon si c'est trop difficile, voilà, vous relâchez les coudes vers l'avant et on fait des cercles avec les poignets. Vous pouvez changer de sens, jouer un petit peu avec cette articulation, aller lentement au début ou bien plus vite, en fonction de ce que vous ressentez. Fiez-vous à vos sensations. Et vous revenez, reposez les mains sur les cuisses. On reprend un petit moment ici, les yeux fermés, les épaules. On réajuste bien la posture, donc les épaules bien au-dessus des hanches, le dos bien droit. Réétalez bien les plantes de pied sur le sol. Relâchez les tensions dans le ventre. Et inspirez, ouvrez les yeux. Donc vous allez pointer le pied droit. Donc voilà, vous amenez les orteils complètement vers l'avant et vers le sol. Et maintenant, flexez le pied, donc les orteils vers le visage. Et on refait ça plusieurs fois. Pied pointé, pied flex, pied pointé, pied flex. Et maintenant, on fait des cercles, on dessine des cercles avec le pied vers la droite, continue à respirer, continue à dessiner des cercles et dans l'autre sens. Dernier cercle et vous reposez le pied bien sous le genou droit. On fait pareil de l'autre côté, donc jambe gauche tendue ou légèrement fléchie, pied gauche pointé, peut-être que ça craque, pli flex, les orteils vers le visage, à nouveau pointé, flex, pointé et flex. Et maintenant, vous dessinez des cercles dans un sens, lentement. Et dans l'autre sens, lentement. Et vous revenez, réétalez bien les deux pieds sur le sol, le dos droit, fermez les yeux. Observez les sensations dans vos chevilles, dans vos pieds, dans votre corps. Laissez la respiration s'allonger et la détente parcourir toutes les parties de votre corps. Inspirez, ouvrez les yeux. Vous allez maintenant monter les épaules vers les oreilles et doucement les rouler vers l'arrière. Inspirez. Montez les épaules et doucement vous roulez vers l'arrière et vous ouvrez la poitrine à nouveau. Montez les épaules et roulez vers l'arrière. À nouveau, inspirez. Donc il y a souvent des tensions dans le haut du dos. C'est de bien détendre cet exercice. Vous roulez vers l'avant encore. Vous roulez vers l'avant une dernière fois, inspirez. Et vous roulez vers l'avant. Ok, maintenant une posture pour finir, pour bien se détendre. Vous allez attraper les coudes avec les mains et poser les coudes sur les genoux. Et relâchez la tête vers l'avant. Relâchez la peau de votre visage. Toutes les tensions que vous identifiez, vous les relâchez. Relâchez les mâchoires, la langue à l'intérieur de la bouche. À chaque expiration, vous laissez aller tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et à l'inspiration, vous absorbez la détente et la vitalité. Et inspirez tout doucement, vous revenez. Ramenez les épaules bien au-dessus des hanches, replacez-vous bien dans cette posture. Et prenez quelques instants pour ressentir les sensations dans votre corps. Et prenez une grande inspiration, ouvrez les yeux.
Merci d'être venu pratiquer cette séance de yoga doux avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à la reproduire régulièrement dans votre journée pour vous sentir bien dans votre corps. Au revoir.